myself. Take me right back to the start. Et bien salut tout le monde, c'est Clore, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas ça va super les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 en tuto déco et aujourd'hui je vais vous présenter, comme vous avez pu le voir dans la cinématique, comment faire ce rocher. Ce rocher qui va, mais alors il est juste génial, pourquoi? Parce que tu peux le mettre n'importe où. Là, comme par exemple je l'ai mis sur une île, il peut aller donc sur une île, il peut aller sur, je sais pas moi, des zones rocheuses, des montagnes, enfin des grottes, enfin il peut aller partout. Ce rocher on peut le mettre partout, il est juste génial. Donc comme là vous aurez pu le voir, je l'ai intégré sur une petite île que j'ai fait, donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu dans un milieu où on peut l'intégrer. Donc il ressemble à ça, il est très facile à construire et assez aléatoire, donc... C'est-à-dire que là, en fait, par rapport aux autres tutos que je vous ai fait, il n'y a pas de modèle précis. C'est vraiment, c'est aléatoire. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Comme là, vous voyez, j'ai fait une forme. Bon, j'essaie de faire vraiment un cercle au mieux que j'ai pu, mais vous pouvez faire différentes formes. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais me mettre en mode construction. Je fais une petite ellipse et je vous dis à tout de suite. Et re les gens, donc c'est bon. Là, je suis en mode construction. Donc, pour construire ce rocher, ça va se jouer en 3 étapes. Et pour ça, il faudra de la pierre, de l'andésite et des dalles de pierre taillée. Donc la première étape, c'est déjà trouver la forme. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, la forme elle est assez aléatoire. Donc bon, vous pouvez reproduire mon modèle si vous voulez, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de prendre, je sais pas, vous pouvez faire n'importe comment. De toute façon, ça revient au même. Ça change pas, c'est le rocher, il restera pareil. Bon voilà, j'ai fait une forme assez aléatoire. On va reboucher. Voilà. Ça c'est fait. Et après, on va l'élever. Donc vous, ce que vous aurez tendance à faire, c'est un truc de ce genre. On est d'accord. Bon là, vous voyez, c'est assez plat. C'est un peu dégueulasse. Donc si vous voulez, je vous donne une astuce. Vous faites exactement comme ça, comme tout le monde a l'habitude de faire. Vous voyez, à chaque fois, on laisse toujours un bloc sur les côtés. Et moi, ma petite astuce, c'est rajouter toujours un ou deux blocs. Vous voyez, comme ça. Pour que ça fasse de hauteur. Donc à deux ou trois endroits, vous faites ça. Ouais, plus 1000, voilà. Parfait. Donc une fois que c'est fait, on va passer à la deuxième étape qui sera de mettre les dalles de pierre taillée. Donc là où j'aime bien les mettre, c'est justement aux endroits où on a fait de hauteur. Pour le rapprocher par exemple ici. Là pareil, c'est assez aléatoire, je peux pas vous expliquer ça. C'est aléatoire, c'est vraiment fait comme vous voulez. Vous pouvez en mettre beaucoup donc sur la partie du bas. Ça vous avez le droit. Ouais, je puisse. Ouais, parfait. Donc voilà, là franchement vous pouvez en mettre beaucoup. Mais pas tout. Pas tout mettre sur les côtés, sinon ça va faire moche. Ensuite pour la partie au-dessus, là tu en mets très peu. Mais sinon je peux en mettre un là. Un ici, mais là ça fait trop donc non. Là ça sert à rien, comme là il y en a déjà deux. En fait tu vois, il faut assez espacer en fait. Okay. Bon bah ça a l'air d'être bon. Pour la partie du dessus, après tu peux en rajouter un ou deux. Ouais. Ouais, on va laisser comme ça. Voilà, parfait. Et ensuite, la dernière étape, ce sera de un petit peu décorer, rendre un peu plus réaliste ce rocher. Et pour ça, j'utilise de l'andésite. Alors, ce que j'utilisais avant, je veux bien vous le montrer. Avant, dans mes anciens rochers, j'utilisais de la pierre taillée. Ou même des fois, j'utilisais du gravier. Bon, si vous voulez, c'est des possibilités. Des possibilités de rendre réaliste ce rocher, c'est... Vous échangez avec de la pierre taillée, de l'andésite ou du gravier. Moi perso, aujourd'hui, à l'heure actuelle, maintenant je suis passé à l'andésite, uniquement l'andésite. Et ce que vous allez faire, c'est vous en remplacer à certains endroits.
Mais pas tout. Sinon, ça, c'est pareil, ça va faire moche. Vraiment, mettez-en un petit peu, assez aléatoire. Cherchez pas à faire beau parce que justement, c'est quand. Comme je dis toujours, là, ça, c'est même une devise que j'ai inventée, c'est quand on essaye de faire beau, ça fait moche. Et quand on essaye de faire moche, ça fait beau. Voilà. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. J'en ai mis pile assez. Je pourrais même en mettre un là. Et un là, pourquoi pas. Voilà. Et là, il y en a assez. Notre rocher, il est fini. Donc, les gens, avant que la vidéo se finisse ici, je vais vous montrer quelque chose en plus que je vous ai pas montré depuis le début de la vidéo. Vous allez prendre des murs en pierre et ce rocher, il peut être un peu amélioré dans un certain milieu et moi, j'ai pensé surtout dans des grottes. Essayer de faire un peu des stalagmites, tout ça. Et pour ça, donc je vais un peu casser la partie du dessus. Ça revient au même. Là, la plateforme, c'est toujours pareil. Ça change pas. Mais en revanche, on va rajouter un étage par rapport à votre rocher. Et l'élever à deux blocs de hauteur. La partie que vous aurez rajoutée. Je peux même en rajouter comme ça. Voilà. Là après j'échange avec les dalles de pierre. Oh, attends, ça fait la croix du Christ là, attends. Après on va dire que je suis un Illuminati. Voilà. Et ce que vous faites, c'est. Après vraiment on va rajouter mais. Sur une fine partie. Une bonne hauteur. Comme ceci. Et là on peut mettre des piquets. Grâce à des murs de pierre sur la hauteur, comme ça. Alors on peut en mettre un petit peu autour, mais alors pas. Enfin moi je vous déconseille sur les deux dernières couches. Donc la première là qu'on a fait autour et celle juste au-dessus, donc celle-ci. Moi je vous déconseille vraiment. Je pourrais même rajouter un là. Ça je l'ai fait un peu trop haut quand même. Voilà, pourquoi pas comme ça. Après, bien sûr, vous pouvez. En fait, ce rocher, soit vous le mettez à plat, ou comme là, c'est j'ai fait avec des stalagmites un peu, bah en fait, vous l'inversez. Si vous êtes dans une grotte, vous le faites à l'envers. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Et puis, bien sûr, sans oublier de rendre réaliste ce rocher grâce à l'andésite, ou les autres blocs que vous aurez choisis, donc la pierre taillée ou le gravier. Bon, on va dire que c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne. Et donc voilà les gens, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc avant de vous laisser là, vous pouvez intégrer, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, que ce rocher, vous pouvez l'intégrer dans différents milieux. Donc comme là, j'ai choisi une petite île. Donc ouais, là, je l'ai bien calé ici. J'aurais même pu le mettre au bord de l'eau. Ça aurait fait assez classe aussi. Puis après, en petite déco sur cette île, regardez, j'ai mis un parasol, des petites serviettes, un petit coin jungle avec un palmier qui est penché. Ça, peut-être un jour on pourra le voir dans un futur épisode, qui sait. Et là, j'ai mis des petites plantes, voilà, pour faire un petit peu le thème de la jungle aussi. Et donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, on va fixer un objectif 15 likes. N'hésitez pas à commenter, à partager à vos amis et de vous abonner pour les nouveaux. Et moi je vous dis ciao tout le monde.